Bien salut à tous, soyez les bienvenus dans ma nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Black Flag épisode 14, 15, je crois comme 14. Bon, je sais que je fais deux vidéos d'affilée. Moi je sais pas, moi j'ai envie de jouer la suite, pourtant. Voilà là. Taisez-vous, c'est pas mon moment de chanter. La confiance, ça se mérite. Bah t'as raison, frère. Où on va, capitaine? À Principe, quartier maître. On met le cap vers les côtes de l'Afrique. Attendez, normalement le voyage de l'Atlante de Cuba jusqu'à l'Afrique, ça va pas prendre un peu beaucoup de temps? Plus de un mois, je pense non. Tranquille, ils vont aller-retour. Non, ils ont que ça à faire. En vrai, ça n'existe pas ces montagnes. Ou pas, je sais pas. Je sais pas ce que ça existe. On voit un peu détruire des navires. Les écrabouillés, comme on le dit. Tiens, cadeau. C'est gratuit, bien sûr. Hop, toi t'es mort. Tout, 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 tout. Et lui là, c'est une frégate ou c'est quoi là? Allez, avance, frère. Il fait le tour de l'île. Bien joué, mais ça sert à rien. Je pleure plus que toi. Même si c'était une frégate. Hop. Allez hop. Non, regardez, il fait même pas de dégâts. Hop. Ah ouais, d'accord. Hop, allons-y. On a un peu fait facilement. Hein. Je trouve qu'ils sont un peu trop nuls. C'est une blague. Allez, hop. On va aller faire voler les chercheurs. C'est moi où il y a la map. Il est déjà. Attendez. Normal. Ah, ok. S'en va pour se téléporter. D'accord. Je sais pas, c'est un petit bug, je pense. C'est parce que j'ai déjà fini. Je sais pas. Allons le voir. Nous, on a une mission à faire. On doit retrouver truc. Heureusement qu'on peut nager à l'infini. Hein, parce que dans Zelda, on peut nager seulement jusqu'à compte d'endurance. Là, un peu tranquille. Hop, on y va. Qu'est-ce que je fous? C'est un peu joli petit tasse de thé là. Faut pas le casser. Non. Bien sûr, ça passe à travers. C'est un peu normal, je vous dis. C'est un peu loin, moi, non, c'est comme ça. Ça va tirer sur le. Yep, tous les deux. C'est quoi ça? Je sais pas. Ils sont tous morts, très facilement. Nous, ça ne pose pas de problème, hein, c'est trop simple. MDR. Après, où es-tu, Robert? Je te cherche. Oh, il y a un coffre, on va aller le prendre. Hop. Yep. Mais non, je voulais prendre le coffre. Capitaine Kenway. Encore une situation tragique, Robert. J'espère qu'on pourra changer ça un jour. Cesse de me suivre et ton souhait sera comblé. Tout ça ne mène à rien. Tu sais que je suis un homme de parole.
Notre cher vieux Howell vient de trouver la mort lors d'une embuscade des Portugais. Cette tête de mule. Je lui avais bien dit de ne pas aller à terre. Je reconnais la marque. Des Templiers Burgess et Cockram. Les hommes qui t'ont conduit de force à la Havane. Ah, je vois désormais que nul ne se soustrait à l'attention des Templiers, n'est-ce pas? J'imagine qu'il est grand temps de riposter. Voilà une idée séduisante. Et je sais comment procéder. Mais ces hommes, Burgess et Cockram, ils ne doivent pas quitter Principe, ils savent que j'en ai réchappé. Ils mourront. Je te l'assure. Si tu vois des hommes de mon équipage, prends leur service et envoie-les ici. Je ferai de mon mieux. Hop. Les munitions, c'est bien. Bon, allons-y. Oh, une poule. Interagir. Quoi? Ah, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir. Bon truc. Ah bah super. Il y en a un ici. Il ne faut pas les tuer. Hop. Je pense pas qu'ils pouvaient me voir. Allez, accélère ton viote là, gros porc. Allez, 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 allez. 3, 2, 1. Yeah. Dead. Hop, derrière l'arbre. Et je cours jusque là. Tu peux me voir, viens ici. Allez, on accélère. Bien sûr, le mec qui passe par là, il est con. Il y a du monde là. Sur la base, qu'est-ce qu'on va faire? On repart là-bas. Parfait, je vais là. Oh lui, shit. Je pense pas qu'il y ait des noirs. Ils sont revenus à une vitesse de là. Allez, avancez là, c'est rien. Le mec là, il s'arrête, boum, il bouge plus. Ce mec là, bugué. Attendez. What? Je sais pas ce qu'il fout, mais toute la merde. Allez, bouge, vite, vite. Hop, c'est parfait. Ah non, je vais faire. Je vais se cacher ici. Qui se navire? C'est à moi? Attendez. Bah oui, c'est le mien. MDR. Il faut qu'on fasse attention. Il n'y a pas d'idée. Il y a trop loin. Non, t'as rien vu. Et toi aussi t'as rien vu, mais tu meurs en voyant rien. Ah, c'était drôle. Toi là voilà, tu vas un peu, comment dire, dormir. Lui va mourir. Bon, je pense que je vais pas le tuer parce que... on sait jamais. Je pense qu'on va le laisser dormir. C'est de là, on va le tuer doucement. Hop. Et voilà, c'est parfait. Et lui, bien sûr, il est con. Il ne voit rien, il en fait. Très bien. Hop. Crève. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va faire ça. Voilà, on va faire. Oh merde, il y a un truc. Ici. Vite, vite, vite. On va faire comme moi. Le prochain, sur là. On a ce qu'il faut. C'est là-bas. Non. Ça. Ça. Bien sûr. Coucou. Merde, je vais pas faire ça. Je vais siffler. Ah, zoom.
Merde, pas ça. Quel genre là-bas? Pour casser aussi, regardez, il y a un petit construit pour attirer bien sûr. Si je parle pas beaucoup, ça fait normal en hein, perso. Il y a le singe. Oh, je voulais pas tirer. Oh, le délire de ce truc. Jette-moi ça là. Ce truc. Mon singe. Eh, je le veux, mon singe. Et toi, tu crèves. Hop, mon foot. C'est quoi? Singe hurleur. What the fuck? Le mec, t'es bugué, crève. Ah merde, non mais le mec, je comprends pas leur délire, hein. C'est personnel. Hop, tu tapes pas l'eau. On fait un petit peu. Oh vas-y, ça marche pas. Ok, allez, il faut tuer lui. Oh putain, reviens. Il y a rien. C'est de là-bas, non? Non, ça c'est... Bien sûr, personne ne le voit, on passe par là. On prend celui. Ah, et pas ça, je peux monter. Hop, on va se mettre là, on va se chercher. Oh le bug. Le bug du malheur. Souquez-vous, récupérez-vous, voilà, c'est pas cool. J'essaie de dire la fin. Hop, c'était qui, wesh, je vois pas. Je pense pas qu'ils sont là-haut. C'est pas eux là? Attendez, je me souviens plus ce que je vais faire. Ah oui, je vais faire un double assassinat. Faut cramer le con là. Ah oui, il est. C'est pas eux. C'est un cochon, wesh. C'est un porc. C'est le perdu. Hurry up, hurry up, hurry up! Cours! C'est pas où ça? C'était une torche! Ne jugez pas. Allez, viens là. Viens un peu là. Viens là, petit chien. Allez, allez. 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 T'es tombé, t'es mort. Personne t'a tué, bien sûr. T'es tombé, t'es mort. Tout simplement. Hop. Double assassinat, mais bien sûr. C'est un porc qui est rien. Allez, ramène ton cul là, mais tu m'en dis. T'es mort. Cible prend la fuite, mais c'est quoi le délire? T'es tout là-bas? Et mais moi j'ai rien fait. Allez, on se réveille. T'auras le temps de rêver quand tu seras mort. C'est complètement piqué. Attends, on va recommencer le truc. Non mais c'est rechargé. C'est quoi le délire? J'ai fait un beau truc et là ça bug. Mais il a vu qui mourir? Personne. Je les ai tous mis dans un. Il faut saut là. Complètement veillé. Toujours le port ici.
sais faire le bec. Non. C'est pas eux, c'est sûr. C'est pas eux non plus. C'est peut-être dans le groupe. Après, je peux les tuer avec le truc, mais c'est un peu con de le faire. Peut-être qu'il passe par là. Je sais plus, je me souviens plus en fait. C'est ça, non? Attendez. Non. Peut-être on passe par là. Ah, je peux aller là-bas. Hey, secouez-vous et rappliquez au port en vitesse. Nous levons l'ancre. Fais chier, je les ai pas vus. Non, c'est mort. On va recommencer. Je pensais pas qu'ils étaient là, et en plus ils m'ont vu en 2 secondes. C'était plutôt moche. On va recommencer, nous, on va faire le 100% nous. Non mais oh. Allez! Ça c'est un bon joueur. Oh putain, j'ai bien tu fait. Tu nous as bien eu, Kenway. T'as enfin montré ton vrai visage. Mais pourquoi? Pour satisfaire son sale orgueil. Vous vous êtes mis entre moi et ma prise. Ça s'avère souvent fatal. Un crétin arrogant. Ornigold avait bien raison. Ces Templiers ne sont que de vulgaires charognes. Comme vous tous. Et toi, tu es la pire de toutes, Kenway. Ce sont les Templiers qui nous ont accueillis quand tout s'est effondré. Pas notre roi. Ni notre pays. Les Templiers. Les Templiers sont une vraie famille. Où est la tienne ? Ah, ils sont morts ensemble. Super. Bonne mort, les gars. Les services officiels n'offrent qu'une maigre pitance et une solde de misère pour notre dur labeur. Mais nous, gentilshommes de fortune, jouissons d'une grande satisfaction, du plaisir et de l'aise, de la liberté et du pouvoir. Alors quel homme doué de raison préférerait la première solution? Lorsque le seul risque que courent les pirates est de se faire fusiller du regard par ceux qui n'ont ni force ni splendeur. Cela fait 6 semaines que je suis parmi vous. Et pendant cette période, j'ai adopté votre point de vue avec tant de zèle et de conviction que vous pourriez prendre peur en me voyant incarner vos passions avec tant d'ardeur. Mais si c'est un capitaine que vous voyez aujourd'hui en moi, alors oui. Je serai votre capitaine. Yeah MDR, le bon discours. Car sachez que j'ai plongé les mains en eau trouble et qu'en les retirant, j'ai compris qu'il valait mieux être commandant que simple matelot. Ah, mon ami. Je suis flatté par tant d'obstination. Je dois trouver l'observatoire. On raconte que t'es le seul à savoir où il se trouve. On ne t'a pas menti. En dépit du dédain que m'inspire ton avidité, je crois percevoir en toi une touche unique de génie. Je suis Bartholomé Roberts. Edward. Je n'ai aucun secret à te révéler. Mais si tu m'accordes ton aide, d'ici 2 mois, quand nous serons aux îles sous le vent, tu auras tes réponses, j'en fais la promesse. Cool, je suis très flatté. On peut dire. Bon, on peut faire. Moi je suis content parce que c'est fait. C'est des runes, bien sûr. Bon, on peut faire une vidéo. J'ai la place. J'ai le temps. Allons-y. Je sais pas ce que je pense, j'aurais fait un petit ellipse, hein, parce que en fait j'ai recommencé 2 ou 3 fois, je sais plus. Je pense que j'aurais recommencé, j'aurais coupé.
Parce que je voulais faire le double assassinat. C'était... je sais pas... je voulais... voilà. C'est un peu forcé, mais bon. Moi, il faut que je me change, mais j'ai pas trouvé un meilleur avis que ça encore. Moi, j'aime beaucoup cette tenue-là. J'ai pas trouvé mieux. Ça prend du temps, le temps de changer. Hein. C'est amusant, ça. Avec le scorbut, le remède est plus plaisant que la cause. Mais quand une catin te laisse un souvenir qu'il faut traiter au vif argent, c'est toujours plus plaisant d'attraper le mal que de le guérir. Quelque chose te ronge ? Ah, chaque homme rêve de vivre selon un code ou un credo, non ? Sauf qu'une fois le dos au mur, la plupart suivent leur instinct, plutôt que les règles qui les régissent. Mais quel est l'attrait d'un credo, s'il n'impose pas à tous les mêmes agissements ? Peut-être qu'il te donne le sentiment d'appartenir à quelque chose. T'en penses quoi ? Je crois qu'il y a un mouton en chaque homme. Et qu'un vieux loup comme moi mérite chaque once de sang qu'il prélève. Fais route vers cet endroit. N'emmène que des hommes de confiance. C'est quoi ce notre navire ? Ah non, ok. À droite c'est le nôtre, à gauche c'est un autre. C'est pas le nôtre. C'est le vieux loup, je pense. Hop, bien sûr, j'ai disparu. Allez, hop. Super. Ah, je connais pas cette. Ah, bah, c'est cool ça. On a débloqué une nouvelle zone. Ah, les déplacements rapides. Bon, nous, on va rentrer. Ah, ma petite carte au trésor. Pas tout utile. On va monter. Je me suis gratté là. Bon, que je vois, on n'a pas de map qui est là. Enfin libre de quitter cet endroit. Oh merci, merci. Cool. Il y a des personnes. Bon, nous on va aller prendre le carton trésor, on repart hein, à la mission. Où est-ce qu'elle est la mission? Bien sûr, des parents qui est là. Allez. Je vais me téléporter là. Non, on est obligé de partir là. Pourquoi j'ai pas un film? Allez, on va aller, on va rentrer. Allons-y, je vais voir s'il y a un bateau et on se retrouve devant la mission. Allez, à tout de suite. De retour pour la petite vidéo. On est à deux pages de moins de 250. Allons-y pour la mission. Hop. C'est quoi le nom de la mission? C'est ça, ce truc. Le stratagème de Blackbar. Blackbar, je sais pas, cette mission va être super longue. Ah, capitaine Kenway, allons-nous prendre ton vaisseau pour le trajet à venir ou le mien? J'aimerais en savoir plus avant de décider. Ah, c'est une opération fort modeste. Cette fontaine d'informations vient de me révéler qu'un certain galion contient le trésor que je convoite. Dans son intérêt, j'espère qu'il dit vrai. Est-ce que ton plan est sûr? Il l'est. Ce bon capitaine va nous fournir un pavillon portugais qui nous permettra d'approcher de notre cible. Une idée d'une grande simplicité, si tu appliques mes ordres à la lettre. Le Jackdaw, alors? Excellent. Mon avis préféré. Bien sûr, il est beaucoup plus puissant que le vôtre, que la princesse. Le petit frégate merdique. Nous sommes en route, Robert. Ouais, ça s'appelle... Quel est ton plan? Je vais le voir. Le navire qui commande cette flotte transporte un précieux trésor. Princesse, des fioles en cristal. Oula, ça commence bien. Cela doit évoquer quelque chose. On cherche des fioles de sang. C'est tout? Je t'ai demandé de suivre mes instructions à la lettre, capitaine. Je ne t'ai pas offert le loisir de les mettre en doute. Je veux ces fioles de sang intactes. Et si je ne les ai pas, nous nous quitterons en ennemis. Là, le compris. Vent est un peu violent. Wow. On va un peu aller plus vite que ça. Bon, ce truc va m'aider à tourner. Et...
On a 3, on va aller en petite vitesse. J'ai pas trop envie de faire la même. Ah là là, une petite, même pas une petite bâtiment, je sais pas. Ah. Voilà l'objet de nos désirs, capitaine. Tu vois ce navire? Cette ruse nécessite son pavillon. Si je peux m'emparer de leur pavillon sans me faire remarquer, je le ferai. Ne pas prendre part au combat. C'est la dure chose à faire. Et bien sûr, les mecs, on est tellement près, mais ils ne nous voient pas. C'est complètement illogique. On va faire le tour de notre navire. Voilà, bien sûr, il nous voit pas, il voit même pas le navire qui est super géant juste à côté. Je sais pas, je pense qu'on a une vue un peu énervée. Mais bien énervée. Je sais, j'ai un peu passé par là. Attends, non, pas maintenant. Non, je dis pas. Mais juste un petit mec là, quoi, c'était. Beaucoup plus rapide. Bien sûr, il m'a vu, mais c'est un peu de la merde. Bon, je m'en fous. On va voler dans le film. On m'en fout. On va pas les faire. Allez hop. Abaisser le pavillon. Ça va. One shot. Bien sûr, personne. Oh, what the fuck, c'est complètement illogique. Il y a un mec qui est en train de le regarder. Mais c'était quoi ce délire? C'est complètement bizarre. Mais moi, je me suicide. Mais moi, je me suicide. C'est pas possible. C'est complètement bizarre. Oh, t'es bien, toi, pas ton. Mais c'est vraiment. Laisse tomber, le mec il est toujours en haut, vole son pavillon, bien sûr, ils se battent complètement. Ils s'en battent les couilles. Tu as le pavillon? Ah! Aïe, nous l'arborons déjà. Il fera bien l'affaire. Je vais rester à distance, lent et discret. Aïe, ce pavillon volé ne nous protégera pas des regards de l'assistant. Déjà, notre vie est complètement différent. N'avez pas Chivel. Qu'est-ce qu'il a pleurniché? Il ne pleurniche pas. Il est en extase. Faut profiter de ce vent. 10 minutes, Harris réunie. Hop, t'es pas un peu lent, toi. Nuestra Señora de la Almudena. Super cool. On va un peu trop ralentir. Trois devant, il décharge quelque chose de ce navire. Est-ce notre prise? Il porte rien, en fait, devant. Aller à terre, capitaine Kenway. Trouve le coffre. Et s'il contient ce que je cherche, rapporte-le-moi. Déjà que j'ai déjà raté mon truc de prendre pas pour le combat. Je peux aller un peu bourrin. Allons-y. Allez, accélère. Cette vidéo va être plutôt longue. Hein, je vais les conseiller. What the fuck? Putain, le mec est passé à côté, ça va lui fouiller. Il est là-bas, tu peux récupérer, mais moi je m'en fous, je vais rocher le truc. Ah, je vais décrever. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais faire ça. En tout de l'avant, c'est clair. Bien sûr. Hop, crève. Crève.
mort comme un con lui. Il est pas mort. Vous me saoulez. Vous me saoulez. Vous me saoulez. Crève comme un con toi. Hop. Un petit lance, s'il vous plaît. Paumé que l'autre là, il était un peu paumé. Mais non, on descend, on n'a pas le temps, on descend. Mais non, on descend. Le mec, il force, hein. Les doigts, tu forces. Récupérer. Oula, le petit corps, faut devoir le frappe fort. Ouais. Le navire il bouge en voile, tu vois, c'est un peu logique. Quoi ? Quand j'ai mis l'emplacement de... Ah merde, mais c'est une activité. Mais putain, quand il y a un truc, il faut désactiver le contrat. En fait, il y a un contrat juste à côté, et comme ça va aller sous l'eau, bah je sais pas. À terre était rempli de fioles vides. Où est notre capitaine portugais ? Il ne présentait plus d'utilité. Où est-il ? Il dort profondément sur un lit d'algues. Combien d'hommes faudra-t-il encore tuer pour cette prise? Tous ceux qui se mettront sur notre chemin. On doit prendre au moins de temps. Attends, on va regarder la map. Par où on peut passer? Par la droite, ça passe. Plus de toile, défaire le tout. Ouais, par la droite. Par là. Diminue, Harris les unier. Merde. Bonne de con, va. Mais le mec, il est vraiment con, c'est lui qui peut foncer sur moi. C'est un peu con de sa part. Après, il me dit, ah, j'ai cru ça. Après, il se discute avec moi et il veut mourir avec moi. Bon, c'est lui qui va mourir parce que moi, je peux tous les défoncer avec mon petit mortier qui est magnifique. Qui est bien plus puissant que, qui est bien pété, on peut dire, pour le jeu. Allez, l'avance. Sauvegarde, ouais, mon cul, il fait vite. Ouais, super. Hop. L'autre, il a pas à peu près, là. Pourquoi il court devant? Bon, en fait, on va passer par le gauche. C'est mieux. En fait, on va passer par le front. Regarde ça, capitaine. Ces pauvres diables ont pris le même chemin que nous. On vaut bien mieux que... Je me demande combien de marins ont prononcé ces mots avant de mourir. Je regarde la mini-pap, c'est mieux. On passe par la droite, bien sûr, comme on le disait. Après, on prend cette petite route. On réduit la toile. Voilà, c'est le blanc. C'est le bon point. Sans prendre de dégâts, c'est pas mieux. Sans toucher. Notre trésor doit être à bord de ce galion. Prenons-le, ça nous fera gagner du temps. Ouais, je suis de ton avis. Je peux rapprocher le Jackdaw, mais ces vigies vont nous poser problème. Tu as raison, Andy. Je vais m'en occuper. Non, pas peu bon. Hop, pousse-toi. Oh là là, ces gens-là sont gênants. Non, mais pourquoi tu veux monter? Edouard, c'est très bien, il faut descendre. Il faut prendre cette deux cordes. Oh là 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 là. On va tuer un peu ce vigie là. Comme il le dit. On va tous les tuer. N'oubliez pas le temps. On va prendre un peu le pistolet. Tous les tuer, on va les massacrer, on va les déchiqueter en deux. D'abord, on va d'abord essayer de tuer des gens. Sinon, ça. Sur le mec qui s'arrête. Je le tue forcément. Merde! Eh, je l'ai tué! Hop, on court. On monte par là. Ça, c'est pas la ville. Explose, vite. Ouais. Crac. On s'en a vu. Crac. Le mec, il est bugué. Le mec, il monte, il descend. Le mec, il est monté.
Hop, on les tue un peu plus rapidement. Et là, toi, tu... Mais toi, tu donnes pour ça, toi. Très bien. Soulé. Hop, on tue l'autre. En quoi tu du vent? Non. On va faire le forceur, on va le tuer en plus grand. Hop, ça, ça, pas ça, bien sûr. What the fuck, c'est dégueu. Non, pousse-toi. Allez, tue-le! One shot, mec! Oh là là! Le mec derrière là! Faut reculer. Hop! Je débarque. Prenez le contrôle du navire. C'est à faire, Alguien, c'est à faire. T'es gay ou quoi? Toujours en train de me attraper par derrière. Oh là 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 là! Hop, ça va te faire. Hop, alors c'est bon toi aussi. Et moi je prends le navire. D'une façon plutôt facile. What the fuck? Le mec il passe par... Merci, Edouard. Qu'est-ce qu'il faut, lui? Écoutez quoi? Il faut quoi, ces deux-là? Et... Hop, c'est facile. C'est plus facile, je vous dis, je vous l'assure. Allons-y, hop. Passe à qui? Nous sommes repérés. Ils auront mis le temps. Tous à vos postes, parez les canons! Tous à la tâche! On attend tes ordres, capitaine. Fais-nous voir comment rugit cette bête. Si tu le dis. Ah, je comprends pourquoi il y avait des canons sur les... what the fuck, il est bête. Bon, hop. Tu peux mettre beaucoup d'affilée, non? Bien sûr, non. Le navire trop lent, puissant. Allez, poussez-moi vers l'eau là-bas, là. C'est magnifique, bien sûr. Ah, il a pas de truc. C'est là, c'est là. On a du temps pour recharger. C'est niveau 36, c'est facile. Vous pensez qu'on pouvait tirer en plus par des rafales comme eux là? Non, je suis en train de tourner. Allez, hop! Hop! On passe à travers et on fait hop! Oh, il y avait des gens aussi là-bas, j'ai pas fait attention. Ils font feu, capitaine! Qui fait feu? Qui fait feu, j'ai dit? On subit des dégâts! Ah, on peut tirer par l'arrière, je pensais pas. C'est cool ça. Hop! Ah, mais le navire il est beaucoup plus fragile que je le pensais en fait. On attend le dégât, capitaine! Il est explosé! Ne pas laisser passer l'occasion! Les jackdaw là ils sont balis couilles complet. Attendez, on va faire le fug. On va pas respecter le mec, en fait. On te chie dessus frère. On te chie dessus. MDR c'est bon, c'est fini. Oh bon, en plus faut pas se foutre les coups. Ce navire est un peu merdique quand même, hein. Un peu lent. Je prends du temps à tourner. Et tu fais chier un peu, viens un peu là-bas, accélère un peu, oh, pardon, je me suis du coup.
sais pas ce que vous aurez entendu, gros. J'ai toujours répété que c'était là-bas, moi, toi. J'aurais resté là-bas. Oh là là. Mais c'est un gars beaucoup moins puissant que je pense. Qu'est-ce qu'il y a lui ? Qu'est-ce que ce mec à côté, là ? Bon. On en parle ? De la vitesse ? Je jette dégage des trucs pour que ça soit simple. Allez, j'essaie de me décharger pour aller plus rapidement, MDR. C'est mon Jardo qui est plus rapide que vous. Il est super lent ce navire en fait. Oh là là. MDR. Voilà ma prise. Ah, les Templiers n'ont pas chômé, on dirait. Le sang de Lawrence Prince. Désormais inutile. Woods Rogers, Ben Orne Gold, jusqu'à Torres lui-même. En petite quantité conservée dans un but bien précis. Tu vas me conduire à l'observatoire, Robert. Je dois savoir ce que c'est. Pourquoi faire, hein? Tu comptes le vendre sous mon nez? Ou œuvrer avec moi afin d'accroître nos gains? Tout, pourvu que ça serve mes intérêts. C'est si dérisoire. Que la vie soit aussi joyeuse que courte, telle est ma devise. Voilà tout l'optimisme qui m'habite. Très bien, Capitaine Kenway. Je t'accorde ton souhait. Cool. On a un peu fait de la merde. Tuer les groupes depuis le cordage libre. Va te faire... Pardon. Excusez-moi. Mais... Non, j'avais pas vu le truc. Si j'aurais su, j'aurais fait. Même si je l'aurais pas fait. Bon, la prochaine mission, est-ce qu'elle se trouve ? Ici, c'est quoi le nom de la mission? La mort dans mon sillage. Bon, sur ce, je vous dis merci d'avoir vu cet épisode sur Assassin's Creed, épisode 15, que j'oublie tout le temps. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Ou si vous venez de me découvrir, mettez un petit abonnement sur mon truc. Abonnement. Abonnez-vous. Pardon. Voilà. Voilà. Mais sur ce, bye bye, je me suicide. Ouais. Oh putain, mais je pense que t'as dans l'eau. Oh là là, bon, salut.